Alors, le volière est ici? La volière, il est là, où il y a ces arbres-là, oui. Le parc, c'est un morceau de la ville. Et tout de suite, à l'intérieur, c'est sauvage. Et ça, c'est un peu l'offre qu'on doit élaborer. Donc, c'est une partie qui appartient à la rue, à la place, à la ville, et l'autre, au contraire, comme ici, qu'il devienne un élément de nature. Donc, s'il y a des animaux qui rentrent là, ils prennent possession. Pas seulement les hommes, les animaux aussi qui prennent possession de ça. Et je veux faire le dromédaire ici, le lama, les alpacas, les ostriches. Moi, ce que je trouve intéressant de Kuhn, c'est qu'il a une forme d'expression, une forme de poétique, au-delà de tous les différents modes. Il y a cette condition de travailler à l'intérieur de la fertilité, de la production de la vie. Et ça, c'est un secteur tout à fait inexploré encore par l'art. Et il y a quelqu'un qui commence à reprendre le problème, pas d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue éthique. Qu'est-ce que c'est, de où il vient la vie même? Et avec toutes les conséquences à partir de l'œuf, à partir des poulets, à partir des animaux.